Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au Bolanda Kabiso, chaîne Abino, Congo Live TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce matinée à 27 décembre 2023 où nous avons l'honneur de recevoir M. Moïse. M. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live qui nous captent à partir de partout à travers les pays. Bonjour à mes frères et sœurs congolais de la diaspora. Pour ce matin, est-ce que ça va? Nous allons très bien au rythme de la nature. Ah, Monsieur Moïse, parlons un peu des affrontements qui se déroulent jusqu'à présent, qui affrontent le Wazalendo et les M23. L'armée congolaise dénonce la violation du cessez-le-feu par les M23. Que cherche Paul Kagame au juste? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin alors, à ces barbaries? À notre grande tristesse et surprise, hier, nous avions remarqué effectivement cette intensification des combats dans les massifs, très précisément à Karuba et tout autour des Mushaki, ce que effectivement l'armée a qualifié effectivement d'une violation du cessez-le-feu tel que prescrit et recommandé par les États-Unis. Pour nous, c'est dire qu'effectivement nous continuons à dénoncer aussi et à déplorer cette attitude belliqueuse de Kigali qui ne gère qu'à nous endeuiller. Qu'est-ce que Kagame cherche? Je crois qu'il veut balkaniser le Congo. C'est son plat qui est connu depuis longtemps. Kagame veut effectivement que le Nord Kivu soit annexé au Rwanda. Et ça, ça n'arrivera jamais. Parce que le peuple congolais reste uni. Le peuple congolais reste déterminé à mettre hors d'état de nuire toute éventuelle provocation ou tout éventuel plat machiavélique allant dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, la communauté internationale devrait tirer toutes les conséquences qui s'imposent face à cette violation effectivement du cessez-le-feu. Je crois aussi de la part du gouvernement, on ne va pas continuer à pleurnicher, plutôt on va à un certain niveau être obligé effectivement de riposter et de lancer les offensives contre Kigali et les rebelles du M23 parce que on a respecté depuis longtemps le cessez-le-feu, mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas et on ne peut pas continuer à accepter que nos compatriotes soient victimes. Tenez, hier à Karuba, il y a eu ces affrontements qui ont été à la base des déplacements massifs des populations. Et maintenant, là, où je vous parle, nos compatriotes de Karuba, nos compatriotes qui étaient aux alentours de Mushaki, ils sont en train de se déplacer massivement dans des conditions aussi précaires et gravissimes. Certains vont encore rejoindre les cas de déplacés à Goma. Et ça, c'est quand même ce que nous sommes en train de déplorer. Nous pensons effectivement qu'il est temps de nous prendre en charge. Il est temps effectivement de laisser les forces armées, la RDC, lancer les offensives contre les rebelles du M23 et ne plus compter sur l'approche politique ou diplomatique parce que nous connaissons effectivement l'ennemi du Congo. Aujourd'hui, l'ennemi du Congo s'appelle Paul Kagame, l'ennemi du Congo s'appelle Kigali, l'ennemi du Congo s'appelle Monisco, effectivement, qui continue à jouer à la politique des deux poids, deux mesures. Heureusement, elle s'est retirée complètement de Lubero hier. Et nous espérons que ça sera ainsi sur toute l'étendue de la République. Mais cela qualifierait peut-être d'une autre manière que l'armée congolaise est faite. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas directement attaquer les M23? Si et seulement si... Croyez-moi. Elle peut continuer à se plaindre jusqu'à quand? Il faudra qu'elle attaque d'un coup. L'armée congolaise n'est pas faible. Nous avions une armée la plus robuste et la plus professionnelle qui soit. Nous sommes parmi les meilleures armées de l'Afrique. Je vous mets à défi. Faites des recherches, vous allez effectivement vous en rendre compte. Ce qui est sûr, c'est que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, il est tel qu'effectivement, nous faisons face à une complicité internationale. Nous connaissons effectivement l'ennemi, le premier ennemi qui est téléguidé par les officines occidentales et il s'appelle Paul Kagame, lequel Paul Kagame essaie un peu effectivement de téléguider cette rébellion du M23. Mais à son côté, nous connaissons et notre vrai parrain. Ce parrain-là s'appelle effectivement l'Occident. Et l'Occident, c'est effectivement l'Union européenne qui continue à appuyer Paul Kagame. C'est effectivement ces États-Unis, l'ONU même, qui essaie un peu effectivement à chaque fois d'appeler
au cessez-le-feu, à chaque fois d'appeler le gouvernement à pouvoir négocier avec les terroristes, alors qu'en principe, ils devraient nous aider à mettre hors d'état de nuire cette aventure. Bref, pour dire que nous n'avons pas une armée faible, nous avions plutôt, effectivement, nous faisons face à une situation qui est telle que le Congo est victime d'un complot international et plusieurs acteurs se mobilisent pour piller notre pays. Vous êtes au courant de ce qui se passe Vous avez des preuves partout à sur travers. ça? Effectivement, des preuves ont été établies à tout le niveau. Les experts des Nations Unies ont établi des rapports volumineux et l'armée congolaise ne cesse effectivement de mettre la main sur des militaires RDF, Anteni, M23 et donc. Toutes les preuves sont là, vous êtes sans ignorer tout le temps le M23. L'armée rwandaise déverse ces éléments dans les Rutshuru et nous ne cessons d'alerter l'opinion pour dire que nous faisons plutôt face à une complicité Et qui est avérée. si réellement l'armée congolaise est vraiment forte, jusqu'à quand elle continuera à négocier avec les terroristes Voilà notre d'IM23? grande recommandation à l'égard de l'hiérarchie militaire. Je m'inscris personnellement en faux contre ce que je vais appeler cette façon-là de pleurnicher. L'armée devrait arrêter de chaque fois pleurnicher. Mais J'ai peut-être qu'elle suivi respecte les normes qui attentivement. ont été Mais données. déjà que nous, on respecte ça et l'adversaire ne les respecte pas, mais il faut tirer les leçons, il faut tirer les conséquences. Mon colonel Guillaume Dick, que je salue en passant, le général, effectivement, aussi les porte-parole de l'armée congolaise et toutes les autres personnalités devraient faire un effort, effectivement, de lancer les offensives et arrêter de pleurnicher. Parce qu'en fait, aussi longtemps qu'on continuera à pleurnicher, l'ennemi avance et essaie un peu de récupérer plusieurs zones. On risque de voir maintenant la situation s'empirer. Quelles sont les stratégies alors auxquelles la RDC pourrait prendre et en fait pour finir cette guerre-là? Déjà, nous sommes en avance parce que tous les acteurs se mobilisent. Il y a effectivement le FARDC qui sont là, les militaires FARDC. Il y a les jeunes Oisalendo qui sont à leur rescousse. Et déjà, le ministère les a formé plusieurs jeunes au niveau effectivement des Kisangani et ces jeunes sont à Goma. Pour dire, une fois tous nous nous mobilisons, il est possible effectivement que nous puissions mettre un terme à cette aventure. Le problème est tel que aujourd'hui, presque toute la nation se concentre sur autre chose et visiblement, la question sécuritaire n'est plus parmi les priorités du gouvernement. Voilà là où le bât blesse et pour moi, c'est dire que les élections vont passer, mais la nation congolaise existera et le gouvernement ne devrait pas perdre de vue en concentrant plus d'énergie sur la question politique et oublier effectivement la sécurité Mais de on peut notre pays. rien faire dans la nation s'il n'y a pas de sécurité, Mais je vous dis s'il n'y a ici pas qu'il de faut stabilité, il n'y a rien prioriser les qu'on peut choses. faire. Autant qu'on se mobilise pour les élections, autant que nous devrions concentrer plus d'énergie et de moyens à cette guerre. Je veux vous dire ici que les jeunes qui sont amassés ici, ils sont prêts à tout faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas subventionnés. Ils n'ont pas de moyens. Ils manquent parfois de rations. Ça, Même chose pour les vous militaires. n'avez pas vraiment de confirmation sur ça. Ça, ce sont des Nous avions clauses des qu'ils ont fait avec le confirmations. Je suis en gouvernement bon terme congolais. avec les jeunes Oisalendo et je vous dis, ils ont des Mais ils difficultés sont des d'ordre patriotes. logistique. Effectivement, mais quand on est patriote et que l'on veut libérer son État, mais la nation aussi, l'État congolais devrait donner quelque chose. Nous avions lancé des mobilisations à leur égard il y a quelques jours. C'était, comme pour dire, campagne de soutien aux jeunes Oisalendo et ça a fait des petits résultats. Et aujourd'hui, ce que tous les Congolais devraient faire, c'est de solidariser avec l'armée, de solidariser avec effectivement ces Les jeunes Oisalendo. Oisalendo. Tout à fait. Revenons, mesdames et messieurs, sur la situation sécuritaire d'hier mardi à Dalemas, ici toujours. Affrontement ce mardi entre résistants Oisalendo et les M23. Selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23 sont concentrés dans la cité de Mushaki et dans l'entrée de Kobokobo. L'axe est situé sur la route Sac, Karouba-Mushak, plus ou moins 7 km de la ville de Sac ou cité de Sac, comme vous le connaissez. Derrière, verrou sécuritaire pour atteindre la ville de Goma, 27 km de la cité de Sac, capitale du Nord Kivu, Goma, qu'on parle alors. La route Mushaki et la route Ruvunda restent la seule pour l'approvisionnement des rebelles qui sont à Mushaki pour les véhicules. Malgré plusieurs embuscades, tandis aux M23, aux M23 par les Oisalendo, alors on peut le dire, et des parties infligées aux rebelles. Cette route reste sous contrôle de l'ennemi jusqu'à présent. Ajoute le même source que sur l'axe,
de Karuba et Mushaki, les rebelles sont visibles à Matanda, à Kobokobo, à Busheka, à Misekera. Depuis tôt le matin de ce mardi, c'est-à-dire hier, des tirs nourris d'armes lourdes et légères retentissaient dans de différentes collines, entre autres Kobokobo, Mitumbala, Café, plus ou moins à 7 km de la cité de Sake. Ça tourne déjà mal. C'est déjà compliqué, les trafics... Et puis le gouvernement congolais est là, il attend tout ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui m'indigne trop, c'est que déjà là, les trafics routiers, il est barricardé. Ça veut dire que le motard qui devait quitter Goma jusqu'à Karuba et jusqu'à Mushaki, ils ne font plus ces trafics-là. Parce que, effectivement, cette zone n'est plus fréquentable. Autre chose, c'est que, vous le savez, Masisi, c'est un grenier de la pointe nord Kivu. Et à l'heure actuelle, le pomme de terre qui devrait servir Goma en quittant Masisi, ça n'arrive plus. Les bananes plantées et consorts qui devraient effectivement essayer un peu de servir Goma, ça n'arrive pas parce que les terroristes du M23 effectivement sont entrés effectivement d'intensifier. C'est de responsabilité à l'État congolais qu'on va toucher à pas aller, qu'on va déloger. Ça, je l'ai dit chaque jour. On est État parce qu'on est en mesure de nous prendre en charge. On est gouvernement parce qu'on a tout le moyen de la République pour faire le travail. Maintenant qu'effectivement nous sommes dans la période effectivement, où nous attendons la proclamation des résultats, mais quand même nous avions un président de la République qui est en fonction, nous avions tout un gouvernement qui reste en fonction et qui ne devait pas perdre de vue. Cher ministre de la Défense, cher ministre effectivement de l'Intérieur, cher ministre effectivement des Affaires étrangères, vous ne devrez pas perdre de vue parce que tout simplement, vous craignez ou vous vous concentrez sur les élections. Les Masisi, les Nord-Kivu sont menacés et pour preuve, monsieur le journaliste, nos compatriotes de Masisi n'ont pas voté. Ils ont été exclus carrément du processus. Mais le gouvernement congolais a laissé entendre qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour prendre ces mesures et pour mettre à mesure toutes ces choses-là, notamment l'insécurité et tout le reste. Je vous dis ici que ceux qui sont à Masisi n'ont pas voté, ceux qui sont à Rutshuru n'ont pas voté, tout simplement parce que ce sont des agglomérations qui sont généralement sous contrôle des rebelles. Et ce que nos compatriotes veulent, c'est de voir effectivement l'autorité de l'État être établie dans leurs entités, dans leurs villages, pour qu'ils puissent effectivement essayer un peu de vivre à la normale comme c'est partout à travers le pays. Mais le problème, il est tel que le gouvernement ne se concentre pas par rapport à cette situation. Ce qui est aussi sûr, c'est que le gouvernement se laisse duper par des acteurs qui sont aussi partie prenante à ces conflits et à ces hostilités. Et je vous parle ici de cette fameuse communauté internationale. J'aurais bien voulu que la MONUSCO, qui a renouvelé effectivement son mandat à travers même une nouvelle opération qu'on appelle Springbok, essaie un peu effectivement de mettre la main dans la pâte pour voir si on pouvait maîtriser la situation. Mais je vous dis ici que dans les Masisi, la MONUSCO ne fait rien. Cette non, mais ils sont toujours là, ils travaillent. Ils sont là. Moucha qui est tombé. Pendant que la MONUSCO, les casques bleus sont sur place, ils sont là. Mais hier, les affrontements se sont intensifiés et je n'ai pas vu un seul casque bleu intervenir. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui... Mais vous n'étiez pas là, monsieur Moïse. Vous n'étiez pas là. Je suis de près la situation. Ils sont là. Et nous sommes connectés à tout moment. Nous sommes en alerte et nous faisons de notre mieux pour essayer un peu de nous informer. Voilà qui justifie effectivement même tout ce que nous vous disons ici. C'est vérifié et ce sont des informations effectivement qui viennent de la source. Ah, c'est grave Moïse, la situation est tendue. C'est compliqué, monsieur le journaliste, mais on ne peut pas perdre de l'espoir. Je crois que le message que j'adresse à tout le Congolais qui sont partout à travers le pays, au Katanga, au niveau du Kasaï, à Kisangani, dans la diaspora, en France, en Belgique et ailleurs, c'est de comprendre que ce qui se passe au Nord Kivu, c'est toute la République qui en est victime. C'est une partie du pays telle que, effectivement, vous le remarquez, et la moindre des choses à faire, c'est chacun de fournir les maires de lui-même pour que nous puissions recouvrer la paix. La question sécuritaire n'incombe principalement, pas seulement au gouvernement, mais c'est à tout le peuple congolais. Chacun peut amener ce qu'il peut. Vous êtes militaire, vous avez les rôles qui vous reviennent, vous êtes Muzalendo, vous défendez confortablement la nation, vous êtes aussi businesser, vous êtes un homme d'affaires et vous avez quelque chose que vous pouvez donner aux militaires ou aux jeunes Muzalendo pour qu'ils puissent
très bien faire leur travail, n'hésitez pas à le faire. Monsieur Moïse, est-ce que vous êtes aussi Muzalendo? Je suis un Muzalendo de ou sang. Vous Muzalendo? Connaissez étymologiquement le terme Muzalendo, ça veut dire patriote. Et vous sentez, en tout cas, c'est l'amour, le profond amour qui effectivement, qui m'anime, c'est tout simplement parce que je suis Muzalendo. Ça, ce n'est pas à démontrer. Parlant toujours de la sécurité, une source officielle nous a laissé entendre que non, il y a des troupes qui sont déployées partout au pays. Parlant des, le gouvernement congolais prend des dispositions tant au niveau de l'armée que de la police pour préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue nationale. Mais la le gouvernement devrait agir plutôt que la population est appelée à rester calme et à continuer à suivre la sérénité publications des résultats partiels qui sont donnés par la CENI. Ça, c'était des briefings de VPM, ministre de l'Intérieur. C'est bien beau. À Bordeaux, il a laissé entendre qu'il y a des troupes qui sont déployées partout, à Lubumbashi, à Goma, un peu partout pour préserver la paix. Voyez-vous que le gouvernement travaille sur ça? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du Katanga, ça ne va pas. Et le gouvernement n'était que dans son droit de pouvoir déployer tous ses efforts de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai vu, j'ai entendu certains acteurs politiques de cette partie du pays menacer effectivement de vouloir effectivement ce que je vais appeler ce qu'ils appellent une sorte de sécession katangaise. On a des très mauvais souvenirs avec ce qui s'était passé avec Moïse Tshombe et les restes. On ne souhaite pas que l'histoire puisse effectivement se répéter. Et ce que le gouvernement a dit, a décidé de manière anticipative, c'est la moindre des choses qu'on ne pouvait que faire. Parce que déjà, vous savez que le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, effectivement, il est du haut Katanga. Et la plupart de ses partisans, ils sont frustrés, ils sont effectivement mécontents. Pourquoi? Des résultats qui sont publiés par la centrale électorale. Ils estiment qu'effectivement, leur candidat, les scores ou effectivement les voix de leur candidat ont été effectivement fraudés ou du moins on a volé les résultats. Alors qu'on n'a pas encore publié, moi je pense que tel que le gouvernement l'a dit, nous appelons les uns les autres au calme et à pouvoir effectivement rester serein, attendre le résultat qui sera proclamé par la centrale électorale. Il y a des voies de recours à travers la Cour constitutionnelle, il y a d'autres mécanismes qui puissent les permettre effectivement de revendiquer. Et même pour ceux qui projettent la marche d'aujourd'hui, je pense qu'il faut privilégier la non-violence. Et c'est lui qui va essayer un peu de faire preuve de la violence, il va subir effectivement la puissance publique. On en parle un peu sur ce qui concerne la marche qui est prévue aujourd'hui. Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoï, Jean-Claude Baende et Kemalilo ne décollent pas et confirme l'organisation d'une grande manifestation pour ce mercredi pour protester contre la naissance d'une nouvelle crise politique. Découla Selo et la contestation des légitimes des animateurs des institutions de la République que la CENI s'apprête à proclamer comme Eya Eli. Nous sommes dans un état de droit et la liberté des manifestations et d'expression elle est garantie par les lois de la République et même la loi mère, la Constitution. Pour autant dire que pour moi, cette manifestation devrait être autorisée par effectivement l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministre de l'Intérieur il a tapé à côté en donnant plus de valeur effectivement aux organisateurs alors que je l'ai suivi sur RFI, il interdit carrément la manifestation mais c'est déjà ce qui donne baise aux acteurs de l'opposition. Il fallait les laisser faire ça et les services de sécurité devrait ne fût-ce qu'encadrer. Mais peut-être que le gouvernement congolais évite qu'il y ait des dégâts, comme il avait dit. Marche projetée par Martin Fayoulou, Denis Mukwege et autres candidats présents de la République. Je peux vous assurer, je peux l'assurer ici devant, il n'aura pas cette marche-là. Ça viole le dispositif légal qui prévoit que les contestations des résultats de vote se fait devant la Cour constitutionnelle. Là, laissez entendre qu'à député. Ce n'est pas clair. Il faut faire une nuance. Ce que le ministre de l'Intérieur a dit là-bas, il faut nuancer. Les manifestations publiques sont autorisées dans notre pays. Nous sommes dans un état de droit. Et quand il évoque effectivement cette possibilité pour les organisateurs de pouvoir saisir effectivement la Cour constitutionnelle, c'est une démarche effectivement légale et juridique qui est garantie par la loi. Mais aussi, cette expression publique, elle est aussi garantie par la même loi. Ce qui devrait être fait, à mon niveau, à mon avis, c'est que les services de l'État, la police la nationale congolaise, l'armée congolaise et même d'autres services de l'ANR et le reste
devrait effectivement prendre acte de cette manifestation et prendre des dispositions qui sont de nature à encadrer les manifestants. S'ils essaient un peu d'user de la violence, je crois qu'ils devraient aussi subir la rigueur de la loi ou la force publique. Mais pourquoi est-ce que les opposants n'ont pas entendu que les résultats soient à leur fin ou qu'on proclame les résultats finaux pour qu'ils projettent leur marche-là? Après, je ne pense pas aussi que l'on soit aussi naïf pour ne pas reconnaître quelques irrégularités et quelques désordres qui se mais sont le président de la CENI a justifié ça. Il a tout laissé monde, entendre. Avec raison, on n'est pas parfait et aucun processus partout dans le monde n'a été parfait, mais on a remarqué tous en tant que citoyens qu'il y a eu quand même des désordres qui ont été enregistrés, mais lesquels désordres ne pouvaient pas pousser effectivement aux acteurs ou aux uns et aux autres à pouvoir en arriver jusqu'au point d'exiger l'annulation effectivement de ces processus. Ce qu'il fallait faire effectivement, c'est de saisir la Cour constitutionnelle pour la faire part effectivement de cet état des choses et envisager effectivement des mesures alternatives. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, Kadima aussi est parti au-delà du délai qui est prévu par la Constitution. Il a justifié ça, Moïse. Il faut retenir qu'il a justifié ça. Il n'est pas là pour se justifier en violant la loi. Des imprévus qui ont été. Ces élections telles que la loi l'exige. Mais il est parti au-delà des 4 jours. Ça, on déplore effectivement cela. Parlant de. Tumalizi n'est pas le retrait à Monisco. Monisco, il dirait que c'est Lubero, progressivement, Balienda, Banatoka, Banachucha, Drapo, Yabo, ils ne sont plus là-bas, ils sont partis. C'est que la population d'un côté parlait toujours, que okay, Monisco n'a pas choisi hier là, Balienda. Fatana na malalamiko ya raia, tuna furai kidogo, kuona kama Monisco imetoka Lubero, na wakongomani wengi, souci yetu ni kusema, Monusco iweze ikatoke nchini Kongo kwani imeshinda kazi après miaka 1000 vendeza Monusco imeshindwa kazi, na kwa hiyo ni kusema kama tunangoja iweze kutoka ndani ya province yetu ya Nord-Kivu. Un message pour le force de FARDC, soutien indescriptible à nos vaillants militaires de FARDC. Nous réaffirmons effectivement notre amour et notre patriotisme à leur égard. Nous soutenons tout de même aussi et félicitons les jeunes Oazalendo qui se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrer la souveraineté de notre province et de notre territoire. Nous appelons le gouvernement à pouvoir allouer beaucoup de moyens. Merci beaucoup Moïse pour vos contacts. Pour vos contacts, c'est important. Plus de ça, 43 99 25 42 946, c'est notre numéro. J'ai dit bien plus de ça, 43 99 25 42 946. Merci beaucoup. Merci les dames et messieurs pour votre fidélité de partout où vous nous suivez sur Congo Live TV. Nous vous disons merci et nous sommes à la fin de cet entretien avec Moïse. Nous vous remercions vraiment. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau rendez-vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Excellente journée.